Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous voilà de retour avec Hot Wheels 2. Donc, voilà, on va faire un petit peu là-dessus. Hein. On va être quelques jours, quelques temps, de temps en temps. Je sais pas trop encore. J'avais fait le premier, j'avais bien aimé le premier. Donc, du coup, on se lance sur le deuxième. Donc, comme vous pouvez voir, je le lance en même temps que vous. Je sais pas ce que ça vaut. Je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Hein. Voilà. Hop. Ah, ça fait du bien aux oreilles. Ouais, on va mettre ça activé. On va laisser comme ça. Confirmer. On va laisser ça comme ça pour l'instant. C'est parti. Ok, merci, c'est gentil, hein. J'accepte volontiers votre cadeau. Celle-là, elle avance comme ça. D'accord. Maniabilité est pas mal. Celle-là, elle est comment? Elle est un peu flemmarde. Le Monster Truck, les flemmards aussi. Le quad, il est un peu flemmard. La moto est pas mal. Eh bien, on va se lancer avec celle-là. Donc, c'est parti, hein. On est parti, là, pour quelques tours. Ouais. Comme dans le premier. Ah, loupé. Ah d'accord, c'est le tuto, d'accord, ok, ouais, ok, appuyez. Puis... Ouais, ça a rien changé par rapport au premier, ça. Pour sauter, éviter les obstacles, attention cela. Hein. Pour vous retourner en l'air, non, le, ok, ben, ça change pas grand-chose. Alors, pousser latéralement, frapper les concurrents, aller pousser latéralement. D'accord, appuyez sur carry. Bon.
un truc que j'ai pas trop compris, c'est comment sauter là. Pas trop compris comment faut faire. Prix d'araignée. Bon, on va augmenter un peu la difficulté, hein, parce que là, c'est un peu trop facile quand même, hein. Hein. Donc, on va augmenter un petit peu la difficulté, on va voir. Alors, est-ce qu'on gagne des boîtes comme dans le premier? Je sais pas, on va voir, on va étudier la chose, hein. Ouais, ok, ça c'est bon. C'est un peu trop facile quand même, hein. Non, on va faire quitter, on peut recommencer. Niveau 1. Un point de compétence des pièces, je sens spinning. Alors, comment ça fonctionne maintenant ça? Parce que là, avant, là, ça nous disait qu'on gagnait des boîtes et des trucs comme ça pour les ouvrir. Depuis le menu principal, vous pouvez plonger au dessus des créatures, conduire des. D'accord, ok. Il est disponible. Si vous pouvez rencontrer des circuits. D'accord, ok. Ça, ouais, vous pouvez générer des contenus, activer les fonctions de multiplateforme depuis le profil. Ouais, ok. Alors. Ça, c'est les créatures. Alors, attends, créatures, c'est quoi ça? Vous voilà enfin! Vous en avez mis du temps! Je vous ai appelé! Il y a 6 minutes, professeur, et on était à l'autre bout de la ville. On a battu notre corps, d'ailleurs. Alors, qu'y a-t-il de si urgent? C'est un peu gênant. Allez, crachez le morceau. J'ai un nouvel appareil qui copie les petits éléments et les agrandit. Et l'inverse aussi, peut-être. Je l'ai testé sur des pièces de circuit spécial. 5 d'entre elles, avant de réaliser qu'ils n'étaient pas cassés. Il lui fallait juste plus de temps. 10 secondes, pour être exact. Ne me dites pas que... Quoi? Je crains d'avoir libéré 5 créatures. Elles ont fait des bruits horribles. Et elles se sont échappées. Ah, vous êtes enfin arrivés. Vous en avez mis du temps. Te voilà. On est là depuis 5 minutes. Je détecte une probabilité de sarcasme à 74%. Vous confirmez? Cela améliorerait mes performances futures. Au fait, vous avez accepté ma politique de cookies? Professeur, c'est bien pire que la boue vivante. Bien pire. Du calme, du calme. J'ai déjà une idée. Pour empirer les choses, vous pouvez régler ça? Techniquement, j'ai besoin de vous pour appliquer mon idée de génie. Je vois. Encore un de vos plans où on doit se salir les mains. Aucun problème pour la Hot Wheels Racing Team. Vous pourriez combattre les créatures géantes, ou bien... Ah, mauvaise idée. Professeur, vite! L'heure tourne au cas où vous n'auriez pas remarqué. Ils peuvent être n'importe où à faire des ravages. Les combattre à leur taille de jouet. Utilisez le réductosaure pour les rétrécir et en faire de même sur vous. Hein? Pourquoi se battre si on peut les rétrécir? Eh bien...
Si l'agrandissement est un processus stable, le rétrécissement, non. Ça ne durerait qu'un très court instant. On dirait un inconvénient, mais c'est la garantie que vous retrouverez votre taille réelle. Si vous ne finissez pas écrasé avant, bien entendu. C'est mort. C'est sans danger. L'appareil est portatif, facile à utiliser et... Non, c'est mort, j'ai dit. Robert, c'est peut-être la seule solution. Il n'y a pas moyen que je me fasse miniaturiser. Mais... Tu pourrais piloter n'importe quelle Hot Wheels pendant le combat. Attends, sérieux? N'importe laquelle, choisis. Vous devez savoir qu'il y a 0,01% de chance que le processus de rétrécissement... Stop, je veux rien savoir. Darla, je suis partant. Bien, professeur, activez le réductiseur. Le réductosaur. Bref, activez le machin, maintenant. Il y a une probabilité de 99%... Qu'on s'éclate. Go! Alors... paramètres. Bon, allez, j'ai dans les paramètres moyens. Voilà. Hein. Américain international. Oh, on va laisser comme ça. Voilà. Donc ça c'est bon. Retour. Ah, par contre, boutique. Comment on fait pour débloquer les voitures? Ah, faut gagner de l'argent. D'accord, ok. 3005. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau comme voiture? Ah, il y a Snoopy! Voyons un peu ces petits totos. Ah ouais, donc dans 3-4 minutes, ça va changer. D'accord, ok. Faudrait qu'on arrive à gagner un peu d'argent pour essayer d'acheter moi un Snoopy. Donc petit à petit, on aura toutes les voitures. Et par contre, collection. Alors, collection, c'est là. Ok, voici la zone de... Vous pouvez améliorer. Ok. En voiture, j'ai celle-là. Ah, toutes ça sont bloquées. Ah, d'accord, j'ai débloqué déjà toutes cela. Oui, parce que j'ai pris la version de luxe, alors, donc automatiquement. Voilà, j'ai tout cela, mais j'ai pas cela. Cela, faut faut les télécharger. Mais cela, par contre, faut que je les débloque. D'accord, ok. Bon, alors, on est parti, hein. Donc, on continue avec notre chère et belle petite voiture qu'on aime, tant. Moi, j'espère que je vais pas me scratcher encore à l'arrivée, là, le faux départ.
Aïe! Ça a été juste. On les a quand même eus. Récompense. Alors. Continuez, hein. Bah ouais. Ah, j'ai gagné un arrière-plan des pièces. Ok. Donc après, mais alors là, si je vais dans boutique, est-ce que je... Voilà, est-ce que... Je voudrais quand même arriver à acheter la première Toto, notre petit... Ah, j'ai 5004. Eh bien, on va acheter Spirou. Oui, on va acheter ce véhicule, oui. Voilà. On a acheté Spirou. Snoopy. Spirou, qu'est-ce que je raconte? C'est Snoopy. Donc voilà, on a acheté Snoopy. Hein, donc retour. Donc maintenant, il doit être dans ma collection. Normalement, il doit être là. Il doit être débloqué. Faites voir. Ouais, il est arrivé ici, Snoopy. Ah ouais, d'accord, ok. Non. Alors, par contre, est-ce que je peux améliorer un petit peu celle-là? Boost collection maniabilité obstacle, d'accord, ok, on peut améliorer nos voitures. D'accord, j'ai acheté une compétence. Ah ouais. Par contre, ça me diminue. Par contre, ça va me diminuer un peu la vitesse de pointe. Ok. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, on va aller faire celle-là. Hein.
la jauge de boost, elle se remplit beaucoup moins vite. Hein. Du coup. Ah bah oui. Ah bah là. Ça a été juste. Mais par contre, je veux enlever l'amélioration parce que là, franchement, ça, je perds trop de charge. Donc, on va enlever la. Donc on va aller dans collection. Donc collection. Et là, je vais enlever ici. On va enlever. Retirer. Voilà. Parce que je perds beaucoup trop de charge. Donc après, si vous voulez, c'est plus en. Du coup, elle est plus améliorée. Hein. Ouais. Elle est plus améliorée, c'est pour ça. Donc, hop. Voilà. Et. Ah ouais. Pourquoi ça n'a pas marché là? Monter sur le podium, ça s'est fait. Ouais, bah, là. Allez, c'est parti. Tu vas battre un. Ah, c'est un chrono. Alors, ça, les chronos. C'est pas mon fort, hein, je vous le dis. Cette action, c'est mauvais pour mes cheveux. Vous avez vu comme ils sont secs? Des créatures ravagent la ville et tu t'inquiètes pour tes cheveux? C'est facile pour toi. Essaie de penser à moi un instant. Je pourrais modifier l'une de mes formules. On a eu assez de boue vivante, merci bien. Oh, les humains, si ingénieux et si problématiques. Alors c'est pas mon fort les chronos, hein, ça je vous le dis. Ah.
Ah d'accord, ok. Ouais, d'accord, ok. oui, on recommençait. Je cherchais la touche pour sauter par-dessus les obstacles. Faut la trouver. Ils ont été vicieux quand même sur ce coup-là. Eh bien, pourquoi il a pas sauté? On va recommencer à rejouer parce que je comprends pas pourquoi elle a pas sauté le premier coup. Quand j'ai fait le deuxième tour, elle a pas voulu sauter le premier obstacle. À chaque fois, je me fais avoir là.
Ah! Ah, faut que... Quand je vous dis que les chronos, c'est pas mon fort... Hey, on refait un coup, puis après j'arrête la vidéo. Si j'arrive pas là, j'arrêterai la vidéo et... J'ai sauté trop tôt. Ah, je l'ai eu. Je sais pas comment, mais je l'ai eu. Vous me direz, vaut mieux arriver dernier que premier, mais enfin, premier que dernier. Mais bon, voilà, temps à battre. Écoutez, hein, on fera avec. Et on va voir si on peut acheter une petite voiture, une petite Toto. On va voir ce qu'on peut acheter. Ouais. Voilà, j'ai pas la médaille d'or, mais bon, tant pis, hein, on fera avec. Donc, on va essayer de voir si on peut acheter autre chose comme petite automobile. J'ai combien ? À 2008. Ah, d'accord, j'ai pas grand chose. Hein. La M3. C'est normal, on l'avait déjà dans l'autre. Celle-là aussi. Ah, ou je refais une course pour essayer d'acheter celle-là. Ouais, allez, on va refaire une course. Ouais, on est... D'accord, ok. Non, toujours la même. Et on essaye de faire cette course, on essaie d'acheter la voiture, là, l'autre.
Et on a 11 minutes avant que ça change les voitures. Mais c'est quoi ce beans là? Comment on fait là? Alors attendez, parce que là j'ai pas tout compris hein. Attendez, ouais je suis éliminé, alors attendez, hop, continuez. Continuez, rejouer. Déjà, le premier truc, déjà, là, ça passe pas de trop, là. Allez, okay. Mais, ah, comment on fait pour sauter, là? D'accord, ok. Faut faire comme ça. J'ai sauté pourtant. Ah. Et je saute pourtant. Non, mais sans déconner. Bah oui. Bon, mais sur ce, on va s'arrêter là, de toute façon, parce que, bon, il est temps de s'arrêter. Et je vous dis à bientôt pour la suite, ou peut-être une suite sur ce jeu, je ne sais pas encore. Donc, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!